direct, toujours sur le salon des pêches de Nantes. Je viens voir le trophée de l'innovation de Christophe Soares, puisqu'on n'a pas pu le déplacer sur le stand. Donc Christophe, société Navicom, tu as reçu ce trophée de l'innovation pour le moteur électrique avant. Alors le moteur électrique avant, on connaît depuis longtemps sur les bateaux. Du coup, il a une particularité, celui-ci ? Ouais, donc Minkota fait des moteurs électriques depuis quelques années maintenant. Et depuis quelques années aussi, innove énormément dans le domaine du moteur électrique. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils nous ont inventé le e-pilote, qui a été une petite révolution pour les pêcheurs. Et cette année, toujours dans le but de simplifier la vie des pêcheurs à bord des bateaux, ils nous ont créé, inventé, les ingénieurs de chez Minkota ont réfléchi à un système qui permettrait de mettre le moteur à l'eau le plus facilement possible. Donc le fruit de leur réflexion, c'est le moteur que vous voyez là, qui s'appelle l'Ultera. Et le principe est que pour le mettre à l'eau, sans avoir à actionner quelque chose de mécanique au niveau du moteur, on a simplement, soit à partir de la télécommande, soit à partir de la pédale, deux pressions à faire sur une petite touche qui permet au moteur de se mettre automatiquement à l'eau. Voilà. On peut ensuite jouer sur le trim pour régler la hauteur du moteur afin d'avoir les performances optimum. Et ensuite, on retrouve la possibilité, bien sûr. Droite, gauche, etc. Toutes les mêmes fonctions. Que tu connais particulièrement, toi, parce que tu l'utilises régulièrement. Pas celui-ci. Hein, non, mais... pas celui-là. Mais le moteur, après, ouais. on retombe sur le fonctionnement classique d'un moteur type Terova ou Power Drive que tu as l'habitude d'utiliser. Tout en sachant que pour le remonter, c'est pareil. On ne touche pas au moteur. Alors, pour le remonter, de la même manière, on est en train de pêcher. On a besoin, pour une raison X ou Y, de remonter le moteur. Alors, soit on peut simplement procéder au remontage du moteur pour éviter un obstacle et le laisser dans cette position-là, voir s'il est sorti de l'eau. On peut naviguer à des vitesses raisonnables avec le moteur dans cette position-là pour pouvoir le remettre ensuite rapidement en fonctionnement. Ou si on part pour une navigation un petit peu plus longue ou un petit peu plus rapide, on appuie simplement, là encore, sur la touche et le moteur se remet en position rangée. Alors ça, c'est extraordinaire. On l'a vu sur le net par le biais de petites vidéos amateurs. Mais là, on passe en direct sur Fishing TV. Donc du coup, on voit que ça marche très, très bien. Sachez que là également, on a la possibilité de pouvoir sonder. Alors tous ces moteurs de la gamme Ultera sont équipés de la fameuse sonde US2, donc qui permet de brancher un sondeur directement sur le moteur sans avoir la problématique du câble qui est souvent qui conduit souvent à un arrachement lorsqu'on manipule le moteur. Là, l'existence de cette sonde permet d'utiliser tous les sondeurs du marché, en plus que Minkota pense même à la concurrence. Mais ça fonctionne mieux avec Minbird quand même. c'est pas vrai. Mais voilà, vous avez la sonde qui est directement intégrée dans le moteur et tous les moteurs Ultera sont aussi équipés du e-pilot ou du e-pilot link. Et là, tu parlais de la pédale, mais donc au pied, tu fais la même chose. Alors, avec la pédale, on fait la même chose. La pédale classique, c'est une pédale de Terova qui a été customisée pour le Ultera. Donc, pour la mise à l'eau, il suffit d'appuyer deux fois sur cette petite touche. Le moteur se met automatiquement en position. On peut, comme tout à l'heure, régler le trim. Ok. Ensuite, on reste basique. On change de mode et on utilise le fonctionnement classique de la pédale pour se déplacer à la vitesse et dans la direction que l'on souhaite. Et lorsqu'on veut rentrer le moteur, de la même manière, on appuie sur la petite touche qui est là et le moteur se remet en position. La pédale idéale pour le pêcheur seul, la télécommande pour moi qui suis guide, c'est très bien. Je fais pêcher deux gars et je me sers de la télécommande. Bip bip. Écoute Christophe, je te remercie de cette présentation succincte de ce moteur. Je le répète, qui a été le trophée de l'innovation sur l'équipement de bateau à Castillage en l'occurrence. Donc là du coup, bravo. Encore une bonne chose à venir pour l'année 2015. Merci Christophe. Merci Fred. Allez, à très bientôt. À tout à l'heure pour le tirage au sort du jeu. Il faudra d'ailleurs informer qu'on va retirer l'urne là dans, je ne sais pas quelle heure il est, mais... On va retirer l'urne bientôt. D'ici une petite heure, je dirais, pour avoir le temps de dépouiller et puis de pratiquer au tirage au sort sur le plateau de Fishing TV. Alors on rappelle, c'est un jeu. Il y a 5 sondeurs Helix à gagner sur le stand Navicom. Là, juste au pied, vous avez une urne avec des bons à remplir. Remplissez-les, il y a 5 sondeurs de la nouvelle gamme Helix à gagner. Et le tirage au sort se fera tout à l'heure vers 16h, un peu avant 16h, sur le plateau de Fishing TV. Voilà Christophe. Merci Fred. À tout à l'heure.